Bonus. Trax. <coughs> okay, twerp and pig. surprisingly big man. It's four against two, so what say we just call it a day, right? Whoa! They've got footprints on their faces! Uh are those flames on their heads? Feels like a real hazard for a paper thief. You! I'm gonna grind your bones with my fists! Ooh. That's inspired. We're both gonna grind your bones. Right. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce hors série numéro 5. Et cette fois, j'ai pas eu besoin de vérifier avant quel numéro c'était, puisque tous nos hors séries jusqu'ici ont été consacrés à The Lastronine et qu'on ne va pas déroger à la règle pour ce cinquième numéro et ce cinquième hors série. C'était la fin de The Lastronine cette semaine et euh, aujourd'hui, pour en parler, j'ai mes deux compères habituels, puisque j'ai Fab, salut. Salut Et Roméo, salut. Salut Vous allez bien Ça va, ouais. C'est <laughs> début de semaine donc. Euh... C'est le meilleur moment, on va dire. Ouais. On sait tous que lundi c'est le meilleur jour de la semaine. <laughs> Pour moi, maintenant, lundi c'est jeudi et mardi c'est vendredi puisque je travaille plus le mercredi. Donc, euh, <laughs> j'ai que des jeudis et vendredis dans ma semaine, c'est super. Alors, euh, vous ne le savez pas, chers auditeurs, mais euh, d'habitude, on discute un peu avant de lancer l'enregistrement. Là, on s'est lancé direct puisque sachez que depuis que nous avons lu ce numéro, nous n'avons euh, personne n'a décidé de débriefer, personne n'a décidé de donner son avis. Donc on est un peu vierge euh, de toute information. Et on va rentrer dans le vif du sujet, puisque qui dit hors série dit pas de news, et du coup on va partir directement. Donc je commence avec la question euh, que tout le monde attend. On n'a Alors... pas, on on pas de news, euh, l'astronie est reportée. <laughs> non, ça c'est fini ça. La dernière était il euh, y a deux podcasts. Ne t'avance pas trop parce qu'il va y avoir la sortie un TP qui, elle, peut être repoussée pour les deux ans. <laughs> la date de sortie pour les deux ans anniversaire. Ah euh... oui, là, tout, tout peut être poussé, c'est sûr. Là, il n'y a pas... Non, mais bon, ils peuvent, ils peuvent prendre leur temps aussi, là, ils n'ont plus la même problématique. Il y a la crise du papier, c'est une autre problématique. Mais du coup, la question que, que tout le monde attend, dans les grandes lignes, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette fin Alors, déçu ou pas, et je vais commencer par toi, Fab. Enfin, il était là. Je t'avoue que euh, tout ça pour ça, un petit peu. <laughs> mais euh, je pense que... Euh, j'ai pas euh, trouvé la lecture désagréable, on rentrera un petit peu dans les détails après, hein. mais euh, le fait que vraiment il y ait tous ces reports, j'ai pas du tout apprécié, tu vois, ça a fait un peu et un peu éclater le soufflet en mode euh, vraiment tout ça pour ça, et voilà quoi. C'est un avis un peu mitigé que je relirai l'intégralité avec plaisir en relier pour avoir euh, tu vois la vision euh, complète mmh. euh, sans avoir besoin d'attendre parce que là j'ai été un peu déçu frustré et tout de la manière dont c'est sorti dont je l'ai lu euh, voilà clairement il a fallu que j'aille revoir les dernières pages du, du, du chapitre précédent pour me remettre dedans tu vois encore une fois ouais. donc ouais, euh, voilà. normal quand il y a plusieurs mois entre chaque numéro c'est c'est l'effet normal et toi Roméo alors euh, tu t'attendais à ça tu t'attendais à autre chose euh, pff, je m'attendais à pas grand chose <laughs> euh, je crois que les numéros nous ont appris à ne pas trop s'attendre à grand-chose et que tout ça pour ça. Je crois que je crois que c'est bien résumé. Euh, malheureusement, euh, c'est pas mauvais. Hein, clairement, c'est pas c'est pas une ça a pas été une lecture laborieuse. Euh, content d'avoir eu la fin enfin, euh, mais euh, très facile, beaucoup trop facile euh, pour moi. Euh, Finalement, il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses qui aurait pu, enfin, qu'on aurait pu prédire. C'est vrai qu'on s'était jamais trop lancé dans les, euh, dans, dans la spéculation, mais euh, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu prédire. Euh, il y a des éléments qui avaient été amenés et euh, finalement, euh, on s'en fout. Euh, donc voilà, ouais, c'est pas de déception, hein, parce que parce que ça, ça a été, ça a été une belle aventure, c'est l'astronine. Mais euh, ouais, c'est, c'est un peu fade. Mmh. Ouais, bah, je suis d'accord avec vous. Il y, y, a, y a pas, y a pas, de grande envolée comme on a pu en avoir dans les autres numéros en fait. Euh, mmh. Tous les autres numéros, il y avait toujours au moins eu un petit moment pour nous, euh, pour nous accrocher, euh, des petits moments What the fuck. Mais là, il y en a pas. C'est ça le problème en fait. Bah, on range les jouets en fait. C'est le cinquième numéro, donc il faut finir. Voilà. On le range, on le range. <laughs> on range vite fait, on laisse le coffre ouvert. Mais ouais, moi je suis d'accord avec vous, je trouve que, en fait, moi je trouve que, enfin, même si on n'avait jamais dit exactement euh, ce qu'on ce qu spéculait, ça va quand même un peu tout droit vers ce qu'on pouvait attendre, en fait, légitimement, parce que ça n'a pas, euh, pas cherché les twists ou quoi que ce soit, en fait, hein. ça a vraiment déroulé une histoire comme on, comme on pouvait l'attendre sur cinq numéros. Du coup, euh, en fait, j'ai même pas déçu parce que. Ça, je suis passé un petit peu au-dessus en fait. Euh, le problème, c'est que les, les moments émotionnels fonctionnent pas pour moi parce que il bah, n'y a pas, euh, pas l'attachement sur le long terme en fait. Il a pas le c est, c est, c est, c est, ça vient presque de rien en fait. On, on, on connaît le statu quo mais il euh, y, y a presque un manque de, de, ouais, de long terme on a eu deux ans pour cinq numéros mais euh, vous voyez quoi quelque chose de plus, euh, plus c'est pas comme si euh, vous arrivez au numéro euh, numéro 100 en vo il se passe des choses et euh, vous n'avez pas eu euh, vous avez eu que cinq numéros avant bah, c'est pas la même vous avez beau connaître l'histoire des tortues euh, ça fonctionne pas pareil donc euh, ouais et puis euh, ça a aussi été tout droit sur <laughs> Sur le fameux coffre qui reste ouvert, <laughs> sans en reparler. Mais euh, encore pas de surprise là-dessus. On faudra voir s'ils ont choisi un autre nom ou pas pour les spin-offs. Mais, euh, mais on sait qu'il y en aura maintenant. Quoi. Mais euh, sinon, en plus, je trouve que graphiquement, c'est relativement en dessous des autres pour moi. J'ai trouvé ça, aussi, le, ouais. le début du numéro, j'ai trouvé ça. Wow. Vous pouviez faire mieux, les gars. Autant les mecs, tu vois, ça, ça s'applique, tu vois, sur tout ce qui est texture, vêtements euh, et tout ça. Alors par contre les fonds, mais des fois c'est juste des fonds de couleur et il y, y a rien. Et tu te dis les numéros, ils ont été repoussés pour, enfin j'espère pas pour ça quoi, parce que quand même, enfin tu vois c'est, moi j'ai, je trouve que c'est un peu du vol quoi, de, de dire tu repousses et de, de livrer des seins, enfin un peu blasé quoi. Ouais, ouais j'ai trouvé ça très en dessous là-dessus. Mais c'est bizarre parce que ça, sur la moitié du numéro, ça fait pas une vibe de dernier numéro en fait. Parce qu'il y a la moitié de l'histoire qui va rester ouverte. Alors il y, y, y a la moitié, quoi. Il y a la partie avec notre fameux Lastronine contre ce vilain sorti des années 90. Mais euh, ouais, ouais je, je suis assez sceptique. Sur ce cinquième numéro, je, je pense qu'il pouvait faire un plus gros bang, quoi. Quelque chose de plus, de plus impactant quand même. Alors, je, je pense qu'un des premiers sujets qu'on va pouvoir parler et tu, tu viens de le citer, c'est euh, ce vilain sorti des années 90, mais réellement. Ouais, ouais. Euh... Oh, mais là, il est il renvoyé, quoi. Ils l'ont remis au fond du seau, enterré le seau <laughs> dans un trou, et c'est fini, quoi. Que, euh, on on, bon, on je... a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de ces vibes des années 90 qui ressortaient. Où, ben, enfin, c'est normal parce que ça puisait son... à la base, ça a été écrit à cette époque-là, euh, fin, fin 80. Euh, mais là euh, le vilain, on se retrouve avec une armure du Shredder mais en combinano intégrale euh, avec euh, des, des néons à la à la trone. Super moche, super moche. Ouais, je sais pas ce qui leur passé par la tête. Je avec dans, dans, dans le genre cliché au moment où donc il met toute son armure intégrale où elle arrive, les flammes derrière. <laughs> Ah mais les flammes ça fait cache misère tu vois parce que si tu regardes derrière les flammes c'est juste pour donner la couleur rouge au fond comme ça t'as pas besoin de t'emmerder à dessiner des décors il y a trois flammes devant c'est tout rouge derrière allez roule on fait des persos, y un, mmh. les persos et en avant quoi les mythes, le, le, la, la partie euh, avant donc où euh, on a de nouveau donc euh, mikey qui comme pour le premier numéro euh, qui euh, bah, qui va pour pour, pour battre euh, ce vilain quand j'en ai même bouffé son nom euh, Hiroto Hiroto ouais euh, qui passe par plusieurs boss, donc on se retrouve ce côté euh, qu'on a eu dans le premier numéro, euh, très très jeu vidéo et ces ces personnages étaient sont un peu mieux stylisés, sont sont plus intéressants, même les corbeaux sont mieux. Ouais non mais et puis enfin moi franchement. Je... Tu vois, c'est censé être le grand méchant. Autant, on avait ses vibes, comme tu dis, euh, 90, voire 80, quand il était en haut, en train de parler, avec les éclairs, tu vois, dans le ciel, sur sa sur sa gargouille et tout. Autant là, enfin, euh, il a zéro charisme, quoi. Il a le charisme d'une huître et... En fait, enfin. il apparaît et c'est 15-20 pages de combat, en fait. De combat où, lui, euh, il est super méchant avec une ah super armure. Euh, il y, qui... y, a, y, a, y a quand même de la personnalisation, avant, où... Euh... Ou il bah, y a ses subordonnés qui oui, oui, mais mère bien et qui tu et tue ces subordonnés déjà on l'avait pas compris déjà que c'était un méchant parce qu'ils nous ont fait le coup une ou deux fois hein, je crois dans les cinq numéros où bah le chef de la sécurité il le tue parce que il y a quelqu'un qui s'est introduit et comme tu dis il tue euh non mais on, ouais c'est ça on avait à quoi ça sert on, on l'avait introduit il l'avait introduit déjà bah, qui elle était au, au départ c'est celle qui a tué euh, qui a tué Raph donc il y avait euh, ce côté euh, très important enfin qui aurait pu qui aurait dû être très important de, de ce personnage euh, il la conserve cryogénisée parce qu'on se dit bah il veut en faire quelque chose <laughs> il veut la ressusciter il veut il la conserve et non là il y a Mikey qui arrive il lui fait euh, il commence à discuter et il la plante il plante Karaï. alors pourquoi je, 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 C'est un moment, j'ai vraiment pas compris. mais parce que dans le scénario, elle était là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié d'en faire quelque chose. Et, euh, bon, et ben, merde, elle est là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, on la tue, on s'en débarrasse comme ça. Et ils font ça pour un euh, ou deux trucs euh, un petit peu vite expédiés, quoi. Enfin, euh, je sais pas si tu veux qu'on continue un petit peu là-dessus, si tu as quelque chose ouais, à, ouais, ouais, à, ouais, à rajouter. Ouais, ouais. Mais, euh, juste avant, euh, avant tout ça, euh, quand il y a euh, Marie Cazé aussi. Enfin, excuse-moi. Euh, allez, hop ou, ou Casemari, je sais plus euh, l'ordre, mais euh, genre euh, ah mais c'est parce que t'as des mutagènes spéciales et tout. Euh, T'es une mutante aussi. Mais vas-y, mais c'est quoi c'est quoi cette explication de merde au numéro 5 On te balance <laughs> ça comme ça. Allez, pim pam. Euh, c'est parce qu'on a été trop exposé. Euh, mais ça va quoi. Enfin, franchement, j'ai trouvé ce genre de justification. Ça avait rien à faire là. Ça apporte rien au récit en fait. Oui. Donc, je le savais que j'étais une mutante mais ouais mais et quand en... tu comptes peut tu me le dire Bien, mais... et puis ça fait quatre numéros où à aucun moment c'est abordé et là on te balance si ça, si donc... ça a été abordé si, ça, ça été abordé dans le abordé, 3 non hein. oui ça a été abordé où elle justement il lui prend son sang euh, euh, et ils en parlent Mikey je crois ah que ouais, Mikey exact. et, et après ouais. ils en parlent mais euh, bah, là j'avais bah, oublié tu vois euh Kazé elle, elle, elle s'énerve dans sa mère Peb, euh, je casse le mur euh, mais je sais que je suis une mutante, on qu qu sait que tu pensais m'en parler. Ouf, on en parlera plus tard, hein. écoute, c'est la prochaine C'est le numéro 5, là, il hein. faut y aller, hein. on en parlera un autre jour. <laughs> c'est vraiment... Euh... Bon finalement, elle sert à rien. Bah, elle sert euh, ouais, à aller aider sa mère, quoi, à un moment. Pfff. Mais euh, c'est triste. C'est euh, vraiment elle va dans aider... un épisode de série où il aurait fait traverser la scène pour aller euh, les sous l'eau, et puis 2-3 euh, répliques. Quoi. Elle va aider sa mère, mais c'est sa mère qui l'aide parce qu'elle n'avait pas d'oxygène. <laughs> Mais c'est une mutante. Ouais, c'est. <laughs> et puis elle met, elle met son bandeau devant les yeux euh, à la robine, quoi. Ouais. C'est pareil, tout ce qui nous a été teasé dans le 3, euh, dans le 4, tu sais, euh, ou peut-être dans le 3, où euh, t'as tous les rebelles avec euh, tout l'arsenal, le tank, euh, avec le. Ouais, mais non, parce qu'il y a de l'eau. <laughs> il y a, il y a oh. la pompe à eau qui marche plus, et du coup. Ouais, c'est ça, putain, du coup, tu vois tous les rebelles et tout. Ok, ben, euh, fin du 4, ils ont vite fait gagner euh, parce qu'ils ont défoncé les les, les foot zombies ninjas, je sais plus quoi. Ça te permet de dire que euh, Mikey va pouvoir monter dans la tour plus rapidement. Et là, tu les vois pas une fois. Tu sais pas à quoi ils servent. Tu sais pas où ils sont. Enfin, ben, ils ont aidé à ils ont aidé à prendre la tour Stockman et c'est tout. Ouais, il ouais, y a quand même, tu vois, des des raccourcis un petit peu faciles. Qui fait que ça frustre parce que t'as l'impression que c'est un, 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 un enchaînement de scènes. En fait, vraiment, tu vois, alors sur le script, euh, t'as l'impression que ça a été écrit. Bah, euh, chapitre 3, ils vont faire ça. Ensuite, il va y avoir les rebelles, ils vont casser la tour, ils vont gagner. Ensuite, il va y avoir le combat. Et moi, le ressenti que j'ai eu, c'est ça. C'est de lire la scène où ils découvrent le camion, la scène où ils prennent la tour, la scène où il y a le combat de rue. Et il manque un peu le lien entre chaque scène, je trouve. Hmm. Peut-être qu'ils ont, euh, ont coupé une partie du scénario pour, euh, pour des raisons de délai, hein, c'est pas impossible. Euh, euh, moi, très honnêtement, euh, j'aurais préféré attendre 3 mois et avoir un numéro 6. Parce que, là, ouais. sans problème. Mais, sin sincèrement, j'aurais préféré qu'ils annoncent le numéro il y a 2 ans et qu'ils sortent direct un TP. Parce que franchement, là, moi, ça, ça me gâche le plaisir. Parce qu'on euh, va pas se mentir, les deux, les deux premiers numéros. Ils envoient, ils envoient du bois et ils t'envoient vraiment matière à dire, putain, ça va être un bon truc et tout. Ça ah, gratuitement, en fait, c'était mieux. Ouais. Et après, plus tu avances, alors il y a les délais qui ont fait que, tu bah, t'es moins dans le truc, hein, forcément, quand il y a trois, quatre mois entre chaque, euh, que tu passes du 3, que le numéro est un peu moins bon, que tu as en plus le délai, que t'es obligé de retourner lire le chapitre précédent et tout, ça aide pas. Mais si t'as un projet comme ça, surtout en cinq chapitres, je pense que tu peux direct le sortir en TP et voilà. Ok, ça aurait moins vendu et tout, mais je pense que la grosse ah ouais. com un beau truc, ça aurait bien marché aussi quand même. Oui, parce que de toute façon, euh, ça, ça fait quand même 50$ dollars les 5 euh, numéros, donc ils pouvaient sortir un gros truc de base et, et ça passait quoi au niveau prix. C'est sûr qu'ils vendaient pas autant de variantes par contre. Mais euh, ouais, ouais, je pense que ça sera plus agréable à relire dans ouais, le de toute façon. Hein. Les variantes, les variantes, il y en a que 63 je crois, hein, pour ce numéro 5 il n'y en a que 63 mais vrai. en vrai t'imagines il y a des enfants qui ont eu le numéro 1 ils savaient pas lire ils ont regardé les images, ils ont eu le numéro 5 et eh ben ils ont pu lire la fin parce qu'ils n'ont rien à lire entre les deux beau, ils ont <laughs> à avec. et ils ont le permis il <laughs> <laughs> ouais, y, y en a Ils commençaient le permis ils l'ont depuis c'est sûr ça mais, euh... <laughs> mais ouais ouais c'est un, un peu dur parce que c'est ce numéro se résume à pas grand chose. Hein. Il y a vraiment deux grosses, enfin deux grosses scènes. Celle dont on n'a pas parlé à la rigueur, c'est la première. Euh, Mikey qui. Euh, c'est la, la, euh, euh... la scène la plus intéressante. C'est la scène la plus intéressante. Qui avait été un peu mis de côté. Euh, où bah, on a donc Mikey qui, est, bah, qui, qui se parle à lui-même et qui parle à ses frères fantômes. Et cette dualité, cette, euh, ce côté perdu de Mikey, parce que c'est vraiment ce qu'il est. Hein avait été un peu mis de côté avait été un peu oublié donc euh, ouais c'était cette première scène ça démarrait bien vraiment euh, c'est mais pareil c'est quoi l'impact il y a cette scène et après il n'en reste rien c'est ça c'est ça le truc c'est qu'il y a une scène bien qui pourrait euh, qui pourrait apporter au récit qui pourrait un peu plus apporter au personnage et euh, ce qu'on en retient c'est quoi c'est que quand euh... donc, quand l'astronine se bat contre euh, contre le grand méchant il met un coup de ça et il dit ça c'est pour Raph je te mets un non, coup de ça c'est le ouais. pour Leonardo et euh, et je te balance le beau mais ça c'est pour euh, Donatello tout ça pour ça quoi c'est on peut c'est dommage d'avoir créé ce moment euh, assez fort hein, d'un point de vue émotif et vraiment euh, avec de l'écriture parce que tout le reste il y a de numéros il y a il y a aucune écriture et c'est c'est d'autant plus dommage euh, quand on connaît euh, le l'écriture de Tom Waltz, qui qui, qui, est, qui est très verbeux et qui euh, et, et qui est capable d'expliquer beaucoup de choses et de, de nous a, de nous appuyer pour pour caractériser les personnages pour, pour faire avancer le récit donc là il le il, on sent sa patte sur ces trois quatre premières pages euh, on va ouais, peut-être un petit peu plus puis après c'est du roulis pour total c'est euh, bon bah il y a de l'eau dans les égouts euh, va falloir euh, comme ça, ça va donner une fin, euh, enfin une fin, une action à April, euh, pour pas qu'elle soit juste là pour être présente, et caser en même temps, pour que, bah, elle va aider sa mère, et finalement, c'est elle qui a besoin d'aide, euh, et c'est tout, parce que les, les rebelles, bon, ils sont, et maintenant qu'ils ont tout tapé, euh, la résistance, ils ont, ils ont tapé la, la, l'île la, euh, de, de Stockman, bah, c'est pas grave, ils ont fait leur taf, c'est bon euh, on rajoute deux trois boss intermédiaires pour, euh, pour Zalastronine, pour l'affaiblir, pour que le combat paraisse encore plus épique, parce que euh, c'est toujours mieux si t'es blessé, et c'est tout, c'est tellement, c et le problème c'est ce qu'on vient de dire, on vient de résumer l'épisode, alors que sur les sur les autres, on avait quand même pas mal de choses à dire sur le développement, sur, sur l'histoire, c'est, ah il s'est passé ci, et ça, ça peut être utilisé, et même si on était déçu, déçu de ce côté du fugitoïde qui c'est juste qu'il l'a connecté et ça tout ça fait tout péter et que Stockman le cherchait absolument il pensait qu'il avait un dessin plus grand le côté Caray euh, qui, qui, qui pouvait potentiellement revenir pourquoi il l'avait gardé sinon euh, la résistance ce côté tota totalitaire et plein de choses qui étaient semées et on aurait mmh. aimé le, le, le voir développer et finalement il y a bah, je, bah, je, je, je pense que pour moi, le gros problème, c'est vraiment un problème de compression-décompression. C'est que les les éléments d'action sont totalement décompressés, ce qui fait que ça, on, on, on les ressent. On, ça prend du temps. Des fois, c'est un peu trop long. Moi, je trouve que le combat final, il est un peu trop long. Et les moments, euh, les moments dans la tête de Donnie, de, de Maggie, sur l'ensemble de la mini, c'est euh, trop compressé. C'est-à-dire qu'on passe on passe beaucoup de temps dans les flashbacks à savoir ce qui s'est passé. On passe pas beaucoup de temps dans la tête de Donnie, et ce qui fait que je comprends, euh, je comprends l'impact émotionnel qui est censé y avoir sur la première scène du numéro, mais je l'ai pas ressenti en fait à travers les cinq numéros. Et tout comme euh, je comprends l'impact émotionnel de la dernière scène de Mikey, mais c'est pareil, j'ai n'ai j'ai pas ressenti le temps en fait. J'ai pas ressenti le temps et, euh, et ce qu'il qu avait au fond de son cerveau. Et, et du coup, je trouve que c'est les moments qui auraient dû être les plus intéressants, euh, qui, qui sont des bons moments, mais euh, qui sont gâchés parce qu'on ne les ressent pas. Après, euh, sur la première scène du, du numéro, là où Mikey parle avec ses frères, justement, <coughs> moi j'ai trouvé que ça faisait écho, ben, justement, euh, bon, de toute façon on est en full spoiler, hein, donc il euh, n'y a, oui. a pas de truc. Euh, quand Mikey, il, il est sur le point de mourir et qu'il donne le, le petit carnet de Splinter à, à, à Marie Kazé, euh, ou Kazé Marie, il, de, dessus, en fait, j'ai trouvé que c'est justement tous ces moments où euh, il est en combat avec lui-même, quand il donne le, le carnet, il lui, il lui lègue un petit peu le fait de ne pas prendre cette voix ou de prendre une voix différente, chose qu'elle n'écoutera elle pas. Tu vois, moi je le sens dans, dans le sens où, euh, voilà, en fait, lui, il a pas suggéré, machin, toute son expérience de vie et ce qu'il a appris, c'est dans ce carnet, et donc à elle, tu vois, de faire mieux ou un truc comme ça. Faites Et euh, j'ai trouvé l'écho à ce moment-là. Après, c'est sûr, c'est pas émotionnellement très fort, parce que tu viens de te taper 30 pages de combat un peu foireux, où le mec il tombe 4 fois de quatre étages sur du verre, du machin, il se tape dessus, l'autre il a sa combinaison de trône, nanotechnologie, je sais pas quoi. C'est pas le meilleur combat, euh, voilà quoi, c'est pas ouf. Hein. Vraiment, moi ce combat, comme tu dis, long, il y a 2 pages de combat de trop, sincèrement. C'est vraiment. Deux t'es es gentil. Hein. Il, est pas, il est pas il est pas bien chorégraphié en plus c'est ça le problème. C'est que le combat n'est pas super bien chorégraphié. Bah non parce que déjà euh, Hiroto il a une armure moche et euh, est trop puissante. On a l'impression qu'il fait rien en fait pendant tout. Quoi la... c'est ce, sa puissance c'est quoi son armure elle, le protège et régénère mais ouais mais derrière tu pourrais quand même avoir une certaine euh, chorégraphie et avoir un, un combat mm -hmm. très lisible. Euh Là, le, le combat, euh, c'est la course poursuite en voiture de, de Rock, de Michael Bay. On sait pas, on comprend pas. Il y a, y a euh, ouais, non, je, y a aucune. Attention utilité. avec Rock. J'adore ce film, mais la scène, faut quand même remettre les choses dans le contexte. Il euh, n'y a, y a pas de cohérence dans cette course poursuite. <laughs> euh, mais voilà, là, euh, bah, on, on les fait d'abord dans, dans le labo, puis sont sur les toits, le toit de verre ils cassent, puis ils retombent, puis ils sont dans l'eau. Puis ils sont dans l'eau, ils sont aspirés, puis ils sont redans l'eau, et puis il y a une boule d'énergie qui arrive. Enfin, ouais non non c'est nul. C'est dommage. C'est c'est qu'à la rigueur tu fais du tu fais euh, un long combat euh, impressionnant. Tu veux euh, c'est pas un souci hein. Alors, mais là mais il y a aucune lisibilité et aucune on n'est pas happé par ce combat. Il n'y a pas de de, de, de splash page euh, impressionnante qui vont nous qui vont nous dire bon bah, on prend une pause dans ce dans ce combat en, en regardant cette, cette page. Euh, non, c'est quand même ultra dense pour, pour pas grand chose parce que c'est c'est lisible. Euh, Mais tu vois, tu parles de lisibilité. C'est du, bo à... du body count là. Ouais, mais pour revenir à, à ce problème de lisibilité, tu prends l'annual euh, avec lequel on discutait sur euh, avec Juniba sur le dernier podcast qu'on a fait. Ben, en fait, sur les peu de pages qu'il a eu en combat euh, sur son annuel, mais il a plus de enfin de, de ressentiment, de sentiments qui passent que là en hein, 50 pages, mais là en combat euh, moment émotionnel, euh, tu vois, le c'est figé, quoi, le, le, dessin. Ok, il y a quelques poses qui sont cool, parce que moi, j'ai trouvé qu'il y a des poses de, du Lastronen qui sont cool. Mais c'est genre, il a dessiné sa tortue dans telle pose, et il s'est dit, ah, ben bah, je vais la mettre là, sur cette page. Et du coup, elle colle pas avec le reste des, des pages. Enfin, moi, il y a un, un, ou deux, une ou deux cases de, du Lastronen que j'aime bien, tu vois, je trouve stylé. Par contre, la case d'après, il est dans l'autre sens, tordu, il ressemble à rien, et ça marche pas. Du coup, t'as toujours ce truc de dessins inégal. C'est pas qui ressemble à rien, parce que euh, non, bah qui qu ressemble à rien, là, mais mais c'est pas cohérent et il ouais. n'y a pas de fluidité avec la scène d'avant et la scène d'après, parce que le, le design du le design du personnage, il est il est toujours cool, quoi. C'est toujours, euh, moi je je l'aime toujours bien. Juste bon bah je suis en armure, euh, je vais dans l'eau, j'enlève mon armure. Ah ouais, faut vendre faut vendre les deux nekas qui sortent avec les deux euh, les les la armor et la, la torse nu. C'est exactement ça, c'est exactement ce que je me suis dit. quoi. Et en plus, t'as pas de moment de transition. quoi. C'est vraiment. Il est habillé, il tombe, tac, il est Il torse met son nu, bandage tu torse nu. Fais, et t'es là, tu fais. Ouais, et en fait, le reste, pourquoi C'est enfin, quoi le rapport Tu t'emmerdes à le mettre avant de partir, le mets pas direct. Tu vois, c'est vraiment. Euh... <laughs> c'est triste. Moi, franchement, ce numéro, c'est triste. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai à dire parce que. J'en attendais pas plus que ça, parce que tu vois, j'avais déjà oublié le, le numéro 4. Ah si, moi je l'attendais quand même. c'est Non, mais j'attendais le numéro, mais j'attendais pas à avoir une fin de ouf au vu des derniers numéros, vu ce qu'on en avait dit et tout. Moi, je voulais que ça se finisse et qu'on ait quand même un petit peu de trucs... J'avais espoir qu'on ait une fin comme on a eu notre numéro 1, tu vois, où j'étais bien content de lire mon numéro 1 mmh. avec plein de promesses et tout. Et une fin un petit peu en apothéose en se disant, bon, ben même si le milieu, ça a été un peu en dents de scie, euh, quand tu vas le prendre en relié, ouais, t'as le numéro 1. Qui... le numéro 1 qui va tabasser, t'as un petit peu le creux au milieu, parce que voilà, et la fin, c'est explosion et tout, et ça rattrape le reste. Et là, en fait, j'ai pas ça. Ouais, je suis assez d'accord. C est, c est, éventuellement c'est la, la, la vraie déception c'est que ils pouvaient ne pas se faire sur le dernier et on pardonnait le reste quoi mais euh, mais mais là c'est pas foiré mais du coup c'est foiré un peu quoi ça, ça le, pour, en, en tant que en tant que single en tant que single euh, c'est raté le rythme est raté euh, euh, par contre quand tu pour ceux qui liront en français euh, parce que je pense qu'il y en aura quand même beaucoup, euh, euh, il y aura beaucoup plus de personnes qui se tourneront vers la VF. Et je pense qu'elle marchera, euh, oh, je l'espère. Ça sera, je pense qu'il y en a beaucoup qui comprendront pas notre, nos critiques à ce sujet-là. Euh, mais parce qu'ils parce... le en ouais. un TP tout d'un coup. mais oui, parce que l'histoire euh, en elle-même, le dernier, le dernier single conclut et ça, euh, et en, en termes de rythme, ça sera moins haché euh, et même avec des lectures qui peuvent être un peu denses avant, ça sera même un soulagement que ça aille aussi vite. Mais en tant que single, on perd beaucoup de choses, on perd beaucoup de choses. On n'a mm -hmm. plus de rythme. Enfin, ouais, c'est dommage, c'est dommage. Et en plus de l'histoire, on a entre guillemets deux épilogues. Ouais, c'est ce y que j'allais dire. Y a... Parce qu'il y a la fin et après il y, y, a... y a une suite où c'est. bon on a la première. Fin. Voilà la, la fin de, de de Mikey qui retrouve euh, qui retrouve ses frères meurt, hein, dans et voilà. ses frères dans, dans le euh, euh, qui nous font le le coup inversé de en fait c'était qu'un rêve normalement euh, quand t'as une histoire euh, comme ça c'est à la fin en fait c'était j'en ai je l'ai juste rêvé et là non ils ont fait l'inverse avec le euh, euh, le qu'on voit qui je crois qu'on voyait dans l'épisode 1 ouais. euh, non, enfin dans le premier, le premier single où là donc, il meurt et donc il retrouve ses frères et donc finalement il est dans le là il retrouve ses frères avec euh, cette complicité qui marche bien en plus là on a, on a ouais. ces petits moments euh, alors c'est certes plus facile avec les interactions entre les personnages mais euh, mais en, en, en deux pages euh, bah, déjà on retrouve l'essence même des tortues et, et on a cette complicité et on a cette ces, ces, ces petite écriture qui, qui accroche mais ah, c'est deux dernières pages c'est deux c'était ouais. difficile de le faire avec juste une tortue euh, ils ont essayé de le faire avec ce côté fantôme en plus donc ils avaient trouvé un artifice ils avaient trouvé euh, ce moyen d'avoir ces interactions mais qui ne fonctionnait malheureusement pas sur euh, parce que trop trop peu utilisé sombre. et trop sombre aussi par voilà. rapport c'est pas c'est pas la même ambiance quoi et, et là ouais par contre ouais ces deux ces deux dernières pages euh, dans, dans où ils retrouvent les frères donc là, c'est sont, c'est sont génial, c'est c'est ça fait sur... et ça fait vraiment écho avec en plus ce qu'on ce qu'on lit sur le sur la régulière. Mmh. Le, le dessin de Bishop aide aussi quand même parce que quand tu t'es tapé ah oui. euh, 40 oui. pages de trucs un peu statiques avec des poses qui sont pas coordonnées les unes avec les autres et que là tu as euh, 10 cases où ça s'enchaîne et que tout est cohérent, il y, y a, y a quand même tu plus vois, aussi. Ouais, c'est plus lumineux aussi, donc ça aide quand même beaucoup plus à à amener la chose plus agréable. D'ailleurs, en parlant de dessin, euh, dans les crédits, euh, on a Kevin Eastman qui est au pencil et inks, mais on n'a pas ce, ce ce côté très marquant comme on avait avec les euh, avec les flashbacks des premiers numéros. Mm -hmm. Ou Donc là, clairement, le style à l'ancienne. Là, non. C euh... Là, c'est noyé dans le reste. C'est ouais. dommage. C'est dommage Parce que sur le coup, je l'avais même pas tilté. C'est c'est vraiment dommage. Ouais qu'ils aient pas fait de flashback pour pas en refaire un, je suis d'accord Mais est-ce qu'il a voulu participer pour participer pour apporter sa patte Et finalement c'est ça aussi en, en voulant euh, mixer le faire ça à, à à six mains avec les Scorza, c'est ça qui ne fonctionnait qui fonctionnait pas. Euh, je sais pas, mais j'étais c'est dommage, je, je n'ai pas compris, j'avais même pas tilté qu'il était euh, qu'il était au pencil endings. Hmm. Bon, il y a le deuxième épilogue après, enfin la deuxième fin. Et qui est officiellement tente. un épilogue, mais une fin ouverte, quoi. Une fin ouverte sur une suite. Ouais, et là pareil, au-delà du bon, on va, on va le, 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 le dire tout de suite. Hein, on a, on a les trois mots qu'on redoutait et qu'on <laughs> attendait à la fois, euh, qui concluent, concluent ce to marathon. To be continued. To be continued. Bon, alors, est-ce qu'on l'attendait On s'attendait à ce qu'il y soit. Euh, on sait qu'on aura d'autres histoires dans cet univers-là. Alors, Tales Th of the Lastronin. Euh... The Lastronin euh, uh, Rises. Ouais. The Astronine New Generation. The Astronine Strikes Back. The... Eh, euh, par contre, je suis désolé, mais vu ce qui se passe, The Next Mutation. <laughs> mais oui! <laughs> All new, not so different, uh, TMNT. En vrai, euh, cet épilogue, de tout, toute on, on s'en fout, on a un full spoil et c'est les deux dernières pages. Donc, si vous voulez pas vous bouffer l'épilogue la... et le to be continued, bah, vous coupez maintenant et vous revenez dans 5 oh, minutes. Je pense que euh, on est full spoil depuis le début de toute oui, ouais, ouais. ça. On a toujours été full Mais spoil sur le podcast. Donc, euh. en, en vrai, Enfin, euh, déjà, c'est quoi cette idée de merde Vraiment Est-ce que tu, vois, tu peux faire un to be continued dans l'univers était pas obligé de faire revenir quatre putains de tortues avec du mutagène et pour en refaire des tortues ninja. Putain, sérieux. Et puis en plus, tu peux même pas dire c'est pour faire revenir tu vois la réincarnation et tout ça parce que c'est pas canon. Donc toute cette partie réincarnation, ça aurait aucun sens ici. Et là, il va se passer quoi Ils vont les faire grandir. Euh Kazemari, là, elle a le livre de Splinter, elle a appris ça par cœur comme une maman. Elle va les élever et elle va en faire quatre bébés tortues ninja euh, Alors... d'après le livre de Splinter. Mais il y a aussi la leçon de Mikey. Alors que Mikey lui a marqué quoi sur la dernière page Mais oui, no, le, peace. no peace. Putain, mais euh, c'est bon quoi. Et, et donc on la voit s'entraîner, c'est normal. Euh, elle s'entraîne avec un livre. Euh, donc ça, ça aussi, ça fait très vibe des fi du film des années 90 hein, sur la manière mm -hmm. d'apprendre. <laughs> enfin, non, c'est le rat qui, qui observe. C'est dans le, c'est 2014. Oui, ils apprennent en... sur les magazines. Euh, ouais. j'adore son son deuxième outfit avec le le, le numéro le, de, 5 avec le numéro 5. Ça c'est une ref à la série de 2012. Ouais. Donc euh, ça j'aime beaucoup. Euh, mais ouais, le, le, le côté après on fait grandir des tortues euh, parce que on a pu récupérer du mutagène parce que je suis une mutante. Putain mais pourquoi ils s'embarquent quoi. Non, ouais. et puis du, du mutagène même enfin il... Il y a le, le t'as vu la, la, capsule du TCRI aussi? A ouais, ouais. Et il y a, il, il y a même euh, une antenne. Alors, moi, j'y ai vu, euh, tu sais, une antenne euh, de communication euh, en hologramme, là, que après, il est en train de fabriquer ou en train de, euh, je sais pas trop quoi. Putain, mais s'ils me font quatre tortues que euh, l'autre, elle est en train d'élever et qui balance dans l'espace après juste pour pouvoir aller dans l'espace. Non, mais c'est bon, il y a des tartes, hein, franchement. Non, l'espace, je pense pas, non. C'est vraiment. Euh... Enfin, tout, mais t'avais tellement de possibilités, pourquoi tu refous quatre tortues Ça, c'est vraiment un truc, tu vois, qui me. Il y a quand même moyen de faire autre chose. Je sais pas. Une armée de temps. Tout le monde s'en fout. Hein. La... La tour, elle a explosé. caraille tout le monde savait qu'elle était vivante, elle est morte. Bon, on s'en fout aussi, allez, c'est bon. Euh, non, à non battre, mais c'est... Euh, ce, ce point-là, tu peux l'oublier, quoi. Enfin. Oui l'a Il n'a pas été abordé, donc on s'en fout. Ouais. Le, le, non, non, non. Sur la vie, sur le, sur le côté totalitaire, qui, est -ce que, est -ce que, comment se passe la vie maintenant dans, 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 dans ce New York-là C'est. Est-ce qu'il y aura l'arrière-petit-fils qui aura trouvé une, une nouvelle armure Bah, ça, ça sera dans le futur spin-off. Donc. Euh, qui feront voilà. 15, ans plus, 15 ans plus tard, il y, des, il y a des tortues Ninja adolescentes. Et puis, euh, il y a un descendant de du clan ouais je sais pas quoi dire d'autre on peut l'air vachement déçu hein. je pense qu'on bah est on l'est on, euh, on peut quand même retenir bon, au delà de, de, de ce qu'elle fait de la natation c'est que le design de april est toujours aussi cool c'est cet, cet april euh, âgé euh, et endommagé euh, des vrai, enfin vrai personnage qui, qui est censé être un personnage fort est euh, super cool c'est vraiment ce que je retiendrai le, le plus. Donc n'est sortez-la moi, celle-là. C'est pas souvent que je demande. Donc sortez-moi cet april-là en, en figue. Tu l'auras forcément. À un moment. Pas sûr. Bah, imagine, ils font héros re... tour en l'armure aussi. Ah bah ils vont faire un diorama du combat, tu crois J'espère qu'il y aura des néma. <laughs> non, non, faut, faut vraiment la vendre hein, cette armure. Hein. C'est euh, compliqué. Ça serait vraiment de sera. fan quoi. Non mais ils vont pas faire de prod là-dessus, personne n'en veut. Et même eux, ils savaient pas quoi en faire de Iron Man. Très honnêtement, je pense que ça fonctionnera. Hein. Bon, il y, y a pas de review encore disponible au moment où on enregistre, donc euh, on peut même pas comparer nos, nos avis. On dirait euh... supérieur à Iron Man un peu en plus. Ouais, oui. c'est ça. C'est exactement ça que je cherchais. et J'arrivais pas à remettre la main dessus. Quand il est à moitié ouvert à la fin, ouais. Ouais, euh, ouais. Donc je, je sais, mais je pense que non. Je pense que ça sera apprécié hein, de, de gens. Je pense qu'on va être euh, notre, notre avis va être très marginal là-dessus hein, du, du du ratage. Euh, ouais, je sais pas. Je après en so en soi sincèrement, moi c'est c'est plus euh, que j'espérais. Tu vois une fin un petit peu en apothéose qui m'a déçu plus que. Euh... C'est pas mauvais non plus hein, On va pas dire. Euh... Enfin, j'ai lu des trucs bien plus mauvais que ça. Mais je peux oui, oui, pas. Euh, Roméo a comparé ça à Body Count, faut pas Non, non. j'ai pas comparé. J'ai pas comparé à Body Count. J'ai dit que l'enchaînement de scènes de juste de baston sans, sans intérêt, euh, ça, ça pouvait se rapprocher à ça. Je, mais je, je n'ai pas comparé qualitativement ce, à The Last Ronin à Body Count. J'ai un peu de retenu quand même. Tu rétablis la vérité. <laughs> Mais euh, en vrai, moi je pense que euh, là, mon avis, il est euh, un peu, euh, on, on va dire, un, un peu sec et un, un peu déçu, tu vois, de, de tout ça, mm -hmm. de par les retards, de par l'espacement entre les numéros. Et je pense qu'une relecture complète, hein, mais pas tout de suite. Hein, clairement, j'attendrai la sortie VF pour me le relire. Euh, ben, ça sera quand même plus agréable. enfin une sortie VF ou alors s'il y a une belle édition de luxe, tu vois, je la prendrai aussi. Alors, vous l'avez fait y... prévu t'inquiète. La... Il commence déjà avec un, un hardcover. Hein. Ils ne sortent... sortent pas le TPV, ils, ils sortent déjà l'hardcover pour commencer à IDW. Et, euh... Oui, il ils ont raison. Vont, ils, vont, ils vont y aller à fond. Hein. Sortir... C'est déjà 5 petits softcovers de toute façon, les, <laughs> les singles. Donc autant faire ouais, ouais, un ouais, hardcover direct. Hein. Hardco... Et puis il est à 30 balles. Hein. Il, est... il est entre guillemets que à 30 balles. Ouais, ça va. Hein. Mais du coup, c'est un hardcover sans bonus globalement. Euh, puis, il y aura une grosse ouais, édition au moins 52 dollars oui, plus tard quoi ils feront, ils feront ils feront une belle édition je pense ouais, j'aimerais bien qu'ils sortent leur euh, ils aient des treasure editions euh, ou les Artisan Editions IDW qui sont des grands formats soft ouais je pense qu'ils feront une grosse euh, bah, vu qu'ils ont sorti en plus le premier deuxième et je crois le troisième en director's cuts enfin euh, ils ont des, ils ont déjà bien, bien bien ressorti pas mal de, de ouais, éditions du matos, avec des bonus euh, je ne me suis pas encore penché euh, penché dessus euh, mais ils ont du matos, et puis ils vont chercher, vont chercher avant. On sait qu'à IW en ce moment, c'est compliqué en plus, pour eux. Donc, ils prennent le cache où il y en a. Hein. Puis déjà, ils, vont, ils, peuvent, ils pourront sortir un soft cover avec toutes les variantes. Oui, ils peuvent faire un, en effet un artbook de, un, un artbook de, de cover variante en sélectionnant les meilleurs au pire, et puis euh, à la rigueur, ça pourrait marcher. Oui, oh, puis oui, parce que tu, tu sélectionnes, il y en a plein, c'est des variations de couleurs. Euh, mm. Ouais bon bah c'est un peu triste de ne pas avoir grand chose à rajouter comme ça sur, sur la fin. Hein. On, on reviendra avec des hors-séries pour euh, les futures mini-séries qui prendront euh, 4, ans à, 4 ans à sortir. Mais euh, là dans l'immédiat, ouais, dommage. Occasion manquée, on va dire. Ouais. Ça aurait pu, sincèrement, avec un numéro de conclusion aussi impactant qu'un numéro 1, bah ça aurait été une bonne mini-série que tu recommandes. C'est pas, pas une mauvaise mini-série et euh, c'est pas quelque non, chose mais... que je ne recommanderais pas. Non mais c'est pas quelque chose que je vais dire. Ouais, Lisa, tu vois, c'est vraiment le game changer qui va te faire aimer les, les tortues. Mmh, parce non, que c'est un pas. truc euh, post-apo qui est coupé du, de toute euh, continuité. Si t'as aimé ça, tu peux aimer le reste. Tu vois, je, là, ben, je vais plutôt diriger vers euh, euh, Secret History of Foot Clan, par exemple. Clairement. Je, je suis totalement d'accord qualitativement, il euh, n'y a, y a, y a pas de comparaison. Euh, par contre, quelqu'un qui ne lit pas, pas du tout de tortues et qui enfin, qui s'y intéresse pas et qui n'a pas envie de s'y intéresser, euh, je pense, pourra très facilement être attiré par The Last Ronin. Et... Oui, et après ça va être vendu comme le Dark Knight des tortues ninja un peu nous le premier, nous les premiers, c'est ce qu'on avait un peu dit, tu vois, ça va être le numéro. Pour moi, c'est assumé, c'est le dernier des tortues. C'est totalement assumé. Il y a pas de souci, c'est assumé ça. Faut, faut rappeler pourquoi les tortues existent. C'était des fans de Miller, entre autres, et à l'époque où ça a été, ça a été, ça avait été fichu au départ. Donc c'était clairement le assumer. Je ne sais même pas s'il le cite pas, il le cite pas lui-même, hein, Je crois qu'ils qu l'ont cité. J'ai plus toutes les interviews de, de, à l'époque parce que bon, euh, entre temps, il s'est passé beaucoup de choses, euh, mais il me semble qu'il il 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 l'avait cité. Hein. Bon et eh ben écoutez, je vous propose de qu'on s'arrête qu là et puis on oh. reviendra pour peut-être de meilleures aventures plus tard. Euh, bah ouais. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut. Salut Ciao